Les amis, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je ne vais pas m'amuser sur un backing track. Je vais plutôt vous montrer 5 sites hyper cool qui vont vous aider dans votre vie quotidienne de musicien. Donc, c'est parti. Je vais essayer d'aller assez vite. Il s'agit d'apps ou de sites qui sont gratuits pour la plupart. En tout cas, vous pouvez créer des comptes gratuits. Donc, c'est parti. Donc, désolé pour l'effet miroir. On va aller vite fait sur le premier site que je vous conseille. Donc, on va commencer par un petit son clair. Évidemment, le métronome en ligne doit devenir votre meilleur ami. Donc, de base, normalement, vous avez ce son-là. Je vais mettre le volume au max. Donc ça, pour moi, c'est pas possible. Moi, je vous conseille plutôt le Charlet. Okay, mettez le volume à fond, qui n'est pas à fond par défaut. Vous avez un petit chrono, ça c'est cool aussi pour voir combien de temps vous avez passé à jouer avec le métronome. Comme ça, vous pouvez être un petit peu content. Et après, accentuation sur le premier temps. Voilà. Donc quand vous voulez, par exemple, pratiquer des plans, je sais pas moi, admettons hein, que j'ai un petit plan à bosser. Laissez-moi réfléchir. Voilà, par exemple à 70, que ça peut donner quoi. Alors évidemment, vous pouvez pousser votre vitesse un petit peu à votre limite maximum sur chaque plan ou des parties que vous étudiez des morceaux. Hein. Mais il y a peut-être quelques petites fonctions un peu plus avancées que vous ne connaissez pas. Donc on va commencer par l'automation du tempo. Donc là on est à 85 et je lui dis par exemple d'aller au tempo final de 110 en faisant des petites incrémentations de 5 BPM toutes les deux mesures. Donc voyons ce que ça peut donner ça. En essayant de pas rusher, mais 2, 3, 4. Bon, voilà, ça vous donne un petit aperçu quand même de cette automation du tempo qui peut être bien sympa quand vous essayez de pousser un petit peu votre limite maximum sur un morceau, un plan, une séquence d'accords, que sais-je. Vous avez également une fonction avec des mesures silencieuses. Alors ça, c'est vraiment pas mal. En fait, on peut le régler de plusieurs façons, mais là, par défaut, on a 3 mesures jouées, une mesure de silence. Donc, vous voyez, là, je suis pas trop mal retombé avec le 1. Donc, c'est un truc qu'il faut s'habituer un peu. Là, à faire en direct, c'est pas évident. Donc, je pense que c'était pas trop mal, en tout cas. Voilà, donc pour le métronome en ligne, je vais aller assez vite. Hein. Il y a un dernier truc que je voudrais vous montrer aussi, c'est si vous avez un peu de mal à entendre les débits. Donc là, on a une pulsation à la noire. Mais si vous avez du mal, par exemple, à entendre les triolets, hein, vous pouvez lui dire, est-ce que tu pourrais me donner, en plus de la pulsation, le débit de triolet ? Takati, 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 ta. Ou peut-être les doubles croches, éventuellement. Takadi, mi, takadi, mi, takadi, mi, takadi, mi, takadi, etc. Ou voire même sextoler. Takadiminageta. Ok. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc assez sympa. Donc on y va, on passe tout de suite à une autre, un petit site qui est, c'est pour ça que j'ai failli dire application, parce que ça s'appelle fretmap.app. Donc qui est plutôt
un outil de visualisation pour la guitare. Et donc, si vous êtes obsédé par la vision de votre manche de guitare, ce que j'espère, ça pourrait bien vous aider. Donc, regardons un petit peu l'interface rapidement. Donc déjà, je trouve que le design est vraiment chouette. Donc ça, c'est un bon point, c'est toujours cool. Et admettons qu'aujourd'hui, on veuille travailler donc, les accords majeurs et on veut travailler, par exemple, les La majeurs, comme je l'ai fait un peu dans l'intro. Là, il va me donner donc, toutes les positions, mais je peux lui dire, par exemple, est-ce que tu peux me donner voilà, une petite aperçu de... du cage system au niveau de l'accord de La majeur, donc La forme de La. Ensuite je peux avoir donc, alors la forme de Sol ici elle est clairement pas jouable de cette façon là hein, puisque vous voyez bien que les cordes à vide ici ne sont pas compensées dans la position, mais vous pouvez le voir en faisant All, voilà la forme de Sol commencerait ici là et on aurait la triade de la position précédente qui serait commune en fait aux deux formes. Donc admettons qu'on ait travaillé ça un peu, on a regardé un petit peu notre position 3, notre La forme de Mi en barré, éventuellement la forme de Ré, même si on ne va pas forcément la jouer de cette façon-là, c'est bien quand même de la repérer. Et ensuite la forme de Do, et là on a fait un peu le tour quoi. Donc déjà ça peut être chouette de repérer un peu vos formes pendant 10 minutes, comme ça avec le manche sous les yeux on va dire quoi. Ici, donc pour tous ceux qui voudraient développer des vocabulaires un petit peu hendrixiens, c'est méga cool. Donc si vous êtes gaucher, les amis gauchers n'ont pas été oubliés, regardez, on peut retourner le manche, je vais peut-être aller un peu vite, je vous le remontre ici là, hein, left-handed ou right-handed. On peut également travailler toutes sortes de gammes, d'arpèges, donc c'est vraiment un outil très pratique de visualisation. Vous pouvez également changer l'interface un petit peu, notamment comment les notes sont représentées. Donc là il y a le nom des notes, moi j'aime bien mettre les intervalles, vous pouvez aussi mettre juste les repères. Perso moi j'aime bien vraiment les intervalles. Donc roots bien sûr c'est pour la fondamentale, tierce et quinte ça paraît assez évident pour vous quoi. Voilà, je vais assez rapide sur le fretmap.app. Vous avez également une autre application qui est un peu dans le même style mais qui est payante cette fois-ci, et ça se comprend parce que vu le boulot que Nico a fait pour développer le 12 assistant, vraiment il y a de quoi faire en termes de visualisation. L'avantage sur celui-là, c'est que vous pouvez, avec un compte payant en tout cas, avoir des fonctionnalités que l'autre site ne présente pas, notamment des superpositions de diagrammes d'accords avec les gammes. Donc ça, c'est vraiment pas mal, franchement, pour arriver à visualiser des choses qui ne sont pas évidentes des fois à la guitare, quoi. Donc, avec un compte gratuit, ça donne ça. Par exemple, je me suis mis le mode majeur de Do ionien. Et admettons que vous vouliez travailler vos triades de Do. Ben, il suffit d'afficher un petit peu les intervalles que compose cette triade, donc tonique, tierce majeure et quinte. Et vous pouvez éventuellement changer l'aspect, normalement, voilà, avec la couleur, ce qui est plutôt bien. J'aime bien le côté couleur avec les intervalles, ça a du sens, je trouve. Et après, si vous voulez plus travailler le mode ou la gamme, quoi, disons, mais il vous suffit de rajouter un petit peu les différentes notes qui étaient absentes, et vous verrez que tout de suite on a quelque chose d'assez joli, notamment avec les couleurs comme ça. Donc on peut bien sûr changer l'interface du manche, ça c'est un petit peu au choix, moi j'aime bien soit comme ça, soit comme ça. On peut également zoomer, enfin il y a plein de fonctionnalités. En tout cas, je vous encourage vraiment à créer un compte déjà gratuit pour voir un petit peu ce que vous pourriez en retirer déjà. Et puis, même s'il y a des fonctionnalités qui sont bloquées par la version démo, soyez un petit peu plus malin que ce qu'on vous offre en faisant des petits arrangements dans votre tête au niveau de ce que vous avez besoin de travailler, quoi. Déjà, avec juste une gamme de Do majeur, il y a de quoi faire, hein. Franchement, vous avez des arpèges à 4 sons, des triades, toutes les positions, cage, 5 positions de gamme, version cage system, vous avez les pentas, vous avez les 3 notes par corde. Franchement, il y a tout ça là-dedans. C'est sûr que c'est pas facile à le voir comme ça, de façon isolée, mais franchement, c'est déjà
très très chouette d'avoir cette version d'essai gratuite quoi. Donc moi je vous encourage si vous voulez aller plus loin, peut-être même prendre un compte payant, ce que j'ai pas encore fait, mais je pense que je vais faire ça incessamment sous peu quoi. Donc en tout cas le 12 Assistant, très très chouette aussi comme application. On passe sur une appli plutôt intelligence artificielle qui va vous aider en fait à isoler certaines pistes d'un morceau. Donc là par exemple, j'ai mis un morceau de Incognito, donc tant pis, la vidéo ne pourra jamais être monétisée le jour où je pourrais le faire, mais tant pis, j'espère que je n'aurai pas trop de problèmes de droit d'auteur. On va juste écouter la chanson là vite fait. Donc déjà j'ai enlevé le chant, hein, mais je pourrais le remettre hein, si... Voilà. No, this is not an ordinary thing to me. Ok, donc c'est le morceau N.O.T. de Incognito, un groupe de jazz funk super que j'adore. Pas forcément très connu, qui a pas la notoriété qui mériterait d'ailleurs. Mais bon, bref. En tout cas, si je veux par exemple repiquer une partie de ce morceau ou le morceau complet, là je vais le mettre sur le couplet par exemple, je peux déjà, une fois que j'ai téléversé le morceau, c'est-à-dire que je l'ai importé dans Moisys, il va traiter un petit peu le morceau et me proposer une version avec les pistes séparées. Alors dans la version gratuite, on ne pourra pas isoler les instruments autant qu'on veut. On n'aura qu'une fonction 4 pistes, voyez, voix, batterie, basse et autres. Donc plus il y a d'instruments, plus ça sera compliqué d'isoler vraiment que la guitare. Ça dépendra là vraiment de la chanson que vous avez téléversée, quoi. Mais bon, admettons que on aura sur autres les cuivres, le clavier ainsi que la guitare. Déjà, si je mets ça en solo, franchement... Alors c'est pas parfait, hein, bien sûr, au niveau du son, hein, mais c'est vraiment un outil pour vous aider à repiquer, quoi. Donc si je remets ça un peu au début du couplet par exemple, que je veux repiquer mes accords. Ok, donc là après je crois qu'il y a ça à mi mineur. Voilà, donc une fois que j'ai un peu isolé, c'est plus facile pour arriver à repiquer par exemple les accords. Des fois je sais que dans les mix vous avez peut-être du mal à entendre la guitare, même au casque et tout, donc là ça permet au moins d'isoler un peu certains instruments quoi. Donc là on peut du coup essayer de refaire le truc. On avait dit la mâche 7. Vous voyez, ça peut être déjà très très chouette. Je vous montre une autre chanson que j'avais mise comme ça, juste à titre d'exemple. Admettons que vous vouliez repiquer peut-être un solo guitare. Donc pareil, j'ai téléversé un morceau et je crois que je vais baisser un peu parce que c'était un peu fort à l'essai tout à l'heure. Admettons que je me mette là. Bon, j'ai déjà baissé un peu le tempo, on va écouter un peu. Je vais le remettre un peu, juste pour votre plaisir, un peu. Je crois que c'était à 120, il me semble. Je vais aller assez vite hein, quand même. Je vais mettre pas en solo, comme ça on aura un son un peu meilleur, un peu moins trafiqué. Bon, on écoute ça vite fait, mais... Donc vous voyez, là c'est peut-être pas facile de repiquer le truc, mais si je le mets en solo, que... Alors je sais pas si je peux encore baisser le tempo, je pense que j'ai le droit. Voilà. Parce que dans les versions d'essai comme ça, on n'a pas toutes les fonctionnalités acquises, on va dire, dans la version démo ou le compte de base, quoi. Donc là vous avez le droit à 5 téléversements par mois, donc 5 chansons, donc c'est déjà pas mal pour un petit compte gratuit. Donc là. Vous
Et après, on a une phrase un peu rapide là. Ouais, ça va super vite, mais. On a une phrase un peu en mineur harmonique là. Et après. Donc voilà, ça peut être très chouette d'avoir ce petit outil pour pouvoir vous aider à repiquer phrase par phrase, des fois quand vous n'entendez pas dans les mix, quand il y a trop d'instruments. Donc même si là, on aura peut-être des fois du mal à isoler complètement la guitare, mais ça peut déjà vous aider quoi. Bon, ça c'était pour Moises, c'est assez chouette aussi, donc je vous encourage à faire un petit compte, c'est gratos. Et après, si vous voulez migrer vers une version d'abonnement payant, vous aurez bien sûr accès à beaucoup plus de fonctionnalités. En tout cas, déjà avec ce compte gratuit, on peut faire des exports, notamment avec des parties isolées et télécharger le mix dans divers formats. Alors, sauf le WAV qui n'est pas dispo, mais bon. Quand on repique MP3, ça suffit, je pense. On passe au dernier site que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de SoundSlice, ce qui est pour moi le site qui va vraiment changer la pédagogie musicale sur Internet dans les mois à venir, si ce n'est pas déjà fait, en fait, quoi. Donc, qu'est-ce que SoundSlice, en fait ? Tout simplement, ça permet de réunir différents médias au sein de la même interface. Donc, par exemple, un fichier Guitar Pro ainsi qu'une vidéo YouTube. Vous allez me dire, mais aujourd'hui, le standard sur YouTube, c'est de la tablature à l'écran avec la vidéo et c'est déjà super. Je suis d'accord. Mais admettons que vous vouliez apprendre depuis toujours Hotel California. Donc, il y a plein de relevés, forcément. Voilà, je vais aller sur un truc de confiance un peu. Celui-là. Puisque, je ne sais pas si vous avez reconnu le logo violet. Là. Le petit logo violet GI guitare improvisation, c'est Martin Giovanni de YouTube, je pense que vous le connaissez. Donc là c'est cool, je vais pouvoir, alors je vais faire juste un truc avant, c'est voilà, baisser un petit peu le volume de l'enregistrement et on va écouter. Vous voyez qu'on a la partition qui défile en même temps que la vidéo. Mais à l'inverse de YouTube, ou contrairement à YouTube, on a un contrôle sur la tablature, mesure par mesure. On n'est pas obligé de remettre la vidéo au moment où on s'était arrêté dans l'apprentissage. Donc là, par exemple, je vais apprendre la première phrase. Donc, moi je vais la faire comme ça en tout cas. Donc vous voyez que très rapidement j'ai le son, la tablature, je peux isoler, je peux louper éventuellement ici, je peux avoir aussi les informations à l'écran au niveau du manche de la guitare, ça c'est très pratique aussi quand même si vous avez du mal à voir ce qui se passe. Alors là, sur une vidéo comme ça où il n'y a pas la personne qui joue, c'est peut-être un peu moins utile que la tablature, mais à voir selon votre préférence quoi. Etc, etc. Là, le but, c'est pas de vous montrer que je vais apprendre le solo de Hotel California, c'est juste vous montrer un peu l'intérêt que ça peut avoir SoundSlice, en fait, quoi. Donc, on pourrait aussi aller faire des recherches un petit peu random, comme ça. Donc, si par exemple, je tape, Blues Leaks, peut-être qu'on peut trouver des leaks de blues très intéressants. Donc, on va regarder un peu ce qu'il nous propose. Tiens, celui-là, c'est pas mal, parce qu'il y a une vidéo vraiment YouTube. Donc on va regarder la full version, la version complète, et on va écouter ça. Donc là on a un truc un peu majeur mineur blues. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas l'accord qui correspond, mais je vais regarder vite fait ce qui se passe. Ok, donc c'est un mélange majeur mineur en fait. Sur, moi je pense que ça va sur un Do7 ce truc par exemple. Et là, bon c'est pas un tuto hein, mais bon regardez un peu ce qui se passe, c'est intéressant. On a en fait une espèce de diade.
donc un double stop hein, finalement, mais qui va admettre la blue note. Et en fait, si on est en do mineur, là on est dans la position 5. Hein. Et donc on garde cette diade là en fait, et on va tout de suite. Donc ça c'est des trucs que j'ai déjà vu faire par d'autres guitaristes. Hein. C'est intéressant hein, ce petit truc à choper de vocabulaire. Vous voyez là en fait ça revient un petit peu jusqu'à la tierce majeure. Hein. Donc c'est vraiment un plan blues majeur mineur un peu quoi. Donc vous voyez là, c'était vraiment un exemple hyper random sur le premier blues lick que j'ai trouvé. C'est même pas préparé, hein, je vous avoue. Donc je pense que vous allez vraiment en tirer beaucoup d'apprentissage si vous regardez un peu ce site. Soundslide, c'est vraiment le futur de la pédagogie musicale, je pense quoi. Voilà, j'étais ravi en tout cas de vous présenter ces sites qui étaient donc metronomeenligne.com, fretmap.app, 12 Assistant, Moises et pour finir Soundslice. Voilà, on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus et j'espère que ça vous aura aidé dans votre quotidien de musicien. Ciao.